Bonsoir, bonsoir ses amis, amis particuliers du Cameroun, amis attachés d'une certaine façon aux valeurs camerounaises, je viens ce soir discuter avec vous par rapport à quelque chose d'assez intéressant. Discuter avec vous, échanger avec vous surtout par rapport à la situation actuelle au Cameroun. J'espère que la grande majorité a eu le temps de voir l'évolution de la question politique au Cameroun, mais surtout que vous avez pu comprendre l'importance de nos sorties, surtout quand nous venons ce rôle d'avant-gardiste là, pour vous dire, généralement, avant que quelque chose se produise, l'impact que cela peut avoir sur la sphère camerounaise et la sphère politique de notre pays. Je tiens Voilà, le son est bon. Donc, je tiens particulièrement déjà à saluer un confrère et professeur et ami qui a produit ceci. Je vais, dans les jours à venir, avoir l'intime privilège de le recevoir ici, sur ce plateau, le plateau de Stevie Online TV, plateau que vous connaissez d'ailleurs depuis un certain temps. Dans cet ouvrage qui s'intitule les cinquantenaires de la honte, sous-signé la confrérie des calebasseries de Guimbard. C'est un ouvrage dont je ne parlerai jamais assez. Je vais vous lire une partie pour que vous compreniez et vous allez comprendre tout en restant dans ce direct pourquoi est-ce que je prends le temps de m'asseoir pour vous parler de cet ouvrage encore et encore. Je vais lire cette partie-ci, ce qu'on appelle la quatrième des couvertures. Les 50 nés de la honte. Certes, le devoir de mémoire nous interpelle, mais que faut-il commémorer en 50 ans les affres d'une corruption extrême sans appel ou les lois et non appliqué en 25 ans. Le chevauchement des constitutions poubelles ou la ruse et le banditisme politique rampant. L'extraction des richesses et leur gestion parallèle des prévisions budgétaires sans état d'âme. La diffusion à outrance des slogans vaseux et creux dans un contexte de crise interminable, le chômage accru des jeunes diplômés malheureux dans un environnement d'adultes incapables, le commerce chimérique des projets ambitieux sous la houlette d'hommes jugés irrespectables et irremplaçables. À cela s'ajoutent des surendettements pompeux qui confinent dans le néant, un devenir déjà minable. Je vous conseille cet ouvrage. Cet ouvrage est écrit par un journaliste. L'ouvrage est paru il y a longtemps. 23 euros. Énorme. Je l'ai lu, je l'ai relu, et à chaque fois que j'ouvre cet ouvrage, je sens et je suis content parce que je sais que c'est un travail journalistique. J'ai marqué cette page parce que c'est une page que j'ai lue il y a longtemps et la situation actuelle du Cameroun m'a obligé à fouiller mes tiroirs et de retrouver cet ouvrage. Il s'intitule « Les cinquantenaires de la honte ». Je vous demande à tous de prendre la peine
d'enrichir votre vocabulaire en termes historiques et en termes de compréhension de notre pays. Voici un autre ouvrage. Nous parlerons de cela plus tard. La rébellion armée à l'Ouest Cameroun, 1955-1971. Voilà un autre ouvrage. Folie et calvaire des migrants. Je ne vous présente plus ici Bertil Okamit. Ouvrage très intéressant. Allez le lire. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, nous pouvons donc engager notre discussion. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vous partage déjà le contenu, ce contenu. Vous allez avoir les lettres de cet ouvrage dans vos mémoires. Vous allez comprendre comment est-ce que l'auteur, pourquoi est-ce que les écrivains sont des personnes immortelles. Je dis bien immortelles, parce que le temps passe, les âges avancent, mais ces personnes restent inscrites de marbre dans l'évolution et sont donc des Highlanders, comme vous connaissez, sont des immortels à travers les ouvrages que ces personnes laissent. Il s'agit ici du 25e nerf. Pour ceux qui ont l'ouvrage chez eux, c'est le 25e nerf. Le titre, les 5 nerfs, on est sur le 25e nerf. Vous comprendrez. Le titre, 25 ans de vampirisme odieux visuel. C'est un très beau jeu de mots, odieux visuel. Là, on parle de l'audiovisuel, mais l'auteur parle de l'odieux visuel. Comprenez bien, prenez le temps d'écouter. Alors, notre télévision nationale était en fête. Anniversaire abracadabrantesque sous fond d'accumulation de défaites. D'un média somme toute grotesque. Des réjouissances empathiques qui reflètent une série d'échecs burlesques que les auditeurs de notre radio en fait ont constaté de façon pittoresque. Dans dimanche midi du 21 mars 2010, un blanc d'antenne de 3 minutes au cours d'un reportage sur les mototaxis prouve que notre CRTV culbute pas dans le sens du saut qualitatif de 2006, pensé par son DG trop culte, mais certainement un retour aux années 90, époque des techniciens incultes. Années 90, retenez cette date, on va revenir là tout au long de ce direct, vous allez comprendre pourquoi. Après le largage de ces amas, ce sont des balbutiements sans fin qui démarre. À peine lancé, on en avait déjà marre. Avec ses cultures de personnalité nada et une créativité toujours en retard. La naissance du programme radio Tintama avait suscité la diatribe de nos tares. Très vite, ils l'ont remplacé par une série Marimar. Une sorte de love story très barbare qui transforma nos filles et épouses en sexe avatar. Une sorte de love story qui transforma nos filles et nos épouses en sexe avatar. Les déviances étonnent peut-être la plupart, mais leur propagation est due à ce tocard. C'est l'arrivée d'un grand brouillard, un voile blanc qui range cette télé sous le placard. Penser dans ce média est une denrée rare. Je m'arrête là. L'ouvrage est là. Allez le lire. Il continue. Je ne suis qu'au 25e problème. Parler dans cet ouvrage. La société camerounaise audiovisuelle en est encore 25. Il y a encore 25. Chers amis, je viens ce soir parce que je veux vous démontrer quelque chose. La démonstration que je vais faire s'adresse directement aux amoureux du milieu de la communication, aux journalistes camerounais, à mes confrères, de façon résumée. Nous avons suivi, depuis un certain temps au Cameroun, l'expression même du vampirisme médiatique.
J'ai fait un direct avec un ami et frère sur ce même canal pour vous parler de la lecture qu'on pourrait faire après avoir vu ce qu'on a regardé tous aux antennes d'Equinox. Je disais déjà sur ma page que, après ce qui s'est passé entre Equinox et la CRTV, beaucoup de personnes allaient être dispersées et on ne comprendrait plus où est-ce qu'il fallait mettre la tête. Je viens donc ce soir parce que je veux vous démontrer que ni Equinox, ni la CRTV ne sont dans leur droit. La recherche de la justice impose aux individus que nous sommes de dire la vérité, du moins d'essayer objectivement de s'en rapprocher. Je vous ai dit tout à l'heure de retenir la date de 1990 parce que c'est une date très importante. C'est une date capitale. C'est une date fondamentale. Donc, je vous demande dès maintenant de partager massivement ce direct. Partagez massivement ce direct. Je sais que pour beaucoup de Camerounais, les directs où on essaie d'expliquer clairement français, où on essaie de parler de façon posée, ça dérange souvent certains Camerounais. Beaucoup de nos confrères aiment quand on vient s'asseoir et qu'on se met à insulter, qu'on vient bavarder, qu'on vient crier. Ils adorent ça. Stevie, lève la voix. Stevie, crie. Stevie, on ne t'entend pas. Voilà. Est-ce que c'est ça la vérité? Non. Je vous dis aujourd'hui, je vais vous démontrer pourquoi ce qui se passe avec Equinox est très grave. C'est même plus grave que vous n'imaginez. C'est plus grave que vous ne l'imaginez. Donc, je vous demande donc de partager au maximum. Je vais d'ailleurs donner la possibilité, comme toujours, à ceux, celles-là, qui voudraient bien contribuer ici, peut-être une fois, à ce programme, de sorte que la possibilité soit donnée à tout le monde de donner sa part de contribution, de contribuer à l'évolution de notre société, de contribuer à la création d'une société où on discute, où on parle des choses. Arrêtez de venir dans les médias, sur la toile, comme des observateurs. Nous, on fait la campagne des élections. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu t'accompagne. Fais une bonne campagne et que Dieu te bénisse. Moi, je ne suis pas encore à ce niveau. Chers amis, je vais vous mettre le lien là et pendant ce moment, n'hésitez pas à le partager pour que les Camerounais viennent nous rejoindre et qu'on discute, qu'on échange. Je veux avoir des personnes qui vont venir contredire. Je veux des arguments. Parce que je vous dis bien, je vais démontrer ce soir que ce projet est un projet dangereux. Est un projet qui aujourd'hui alimente des velléités, mais incroyables. Donc permettez-moi d'y revenir. En mettant le lien dans le groupe pour cette discussion, de sorte que chacun d'entre vous puisse avoir la possibilité. Merci à toi d'avoir partagé le direct. Je vois tous ceux qui partagent là. Donc, dès que je reviens, on lance le direct. Voilà, j'ai mis le lien. Il est là, je vois. OK. Venez assumer votre Camerounité et prenez la parole. Parce qu'il est tellement lié à ce qui se passe avec le MRC. Il faut prendre le temps de réfléchir pour comprendre le rapport entre les deux. Ce n'est qu'en réfléchissant, en prenant le temps que vous comprendrez le rapport entre les deux. Donc, chers amis, je ne suis pas pressé. Je demande humblement de partager ce direct, de sorte que nous échangeons et que très vite, nous y arrivons et que nous arrivons à un changement structurel dans ce long de Cameroun. Voilà, je suis de retour.
Je vois plein de personnes là. Je vais donc faire la séance traditionnelle de salutation. Vous connaissez. Je salue Gisèle à tout bas. Je salue Loveline Kwakam. Je salue Oscar Pod. Amigos. Je salue Nicolas Bianda qui est voilà, qui est l'une des personnes les plus attaquées parce qu'ayant dit des choses que beaucoup craignaient de dire, ayant dit que Biya était mort, on sait toute la façon dont il a été attaqué. Il n'était pas le seul. Maman Eliane Kolo et consorts ont été attaqués, mais gravement. Caroline, salut à toi. Denis Daril, bonjour. Bonsoir, dépendamment d'où tu es, Sanchez. Bonne aventure. Dieudonné Bella, je salue tous ceux qui sont connectés. Nous sommes 50 personnes. N'hésitez pas à mettre un mot là. Voilà pour vous fasse une dédicace. Si jamais c'est le cas, c'est ce que vous voulez. On vous fera une dédicace. Pour ceux qui cherchent les parties écrites de ce que Stevie Sam fait, prenez le temps juste de vous connecter et d'aller sur tvmedia avec s.com. Donc vous écrivez tvmedia au pluriel.com. Vous êtes sur ma plateforme et là, vous aurez toutes les informations en termes de magazine disponibles chez vous. Pour ceux qui continuent de soutenir la chaîne, je fais le lien, je mets le lien en bas. C'est un lien Tipeee. Tipeee vous permet de soutenir les chaînes comme la mienne, comme celle des autres et peut-être dorénavant la vôtre aussi, de sorte que ces chaînes permettent de faire ceux-là qui travaillent dans ces chaînes pour améliorer et créer du contenu. Voilà. Donc, le lien pour intervenir dans la chaîne est épinglé. Chacun est libre en tant que Camerounais de cliquer sur le lien pour me rejoindre, pour que nous échangeons par rapport à ce qui se passe avec le CNC. Pour ceux qui viennent de revenir, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous dis encore bonsoir et bienvenue dans cette discussion aujourd'hui axée autour de la communication au Cameroun et axée autour du CNC. Donc, installez-vous, partagez le direct. Je vais diviser ce direct en deux parties. La première partie, je vais vous expliquer pourquoi, je dis bien pourquoi le CNC est responsable de ce qui se trame aujourd'hui contre le média Equinox. Et je vous dirai en quoi il est négatif, dangereux même, de laisser ce parti, de laisser ce média Equinox TV entre les mains de ce régime. Donc, je vais aller doucement. Vous savez, le Conseil national d'éducation, en abrégé CNC, est un organe de régulation et de consultation doté de personnalité juridique et d'autonomie financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le CNC, c'est un ensemble de personnes qui ont été choisies pour s'occuper du bon fonctionnement de la communication professionnelle au Cameroun. Le CNC, Conseil national de la communication, est placé, comme on le dit au Cameroun, auprès du Premier ministre, comme on dit généralement, chef du gouvernement. Il est fondamental que vous compreniez que le CNC a été créé par la loi numéro 90-052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale. Son organisation et son fonctionnement sont régis par la loi de 2012, janvier 2012, qui permet donc de réorganiser le Conseil national de la communication, le CNC, composé de 9 membres, le président, le vice-président, les deux sont nommés par qui? Le président de la République. Pour accomplir sa mission, le CNC a besoin d'un secrétaire général qui lui aussi est nommé par décret présidentiel. Donc, il faut que vous compreniez que le CNC n'est rien d'autre qu'un groupuscule de personnes qui travaillent et qui ont été choisies par la présidence du Cameroun. Pas par élection, ils n'ont pas été votés, ils ont été décrétés. Ça veut dire imposer aux Camerounais, imposer aux journalistes. Je vais le dire d'une façon différente. Le CNC rend des comptes directement au président de la République. Le CNC
parce qu'ils ne sont pas passés par les canaux ministériels, mais plutôt par le canal de décret de signature, ne doivent leur existence en tant qu'institution, en tant qu'organe, qu'au décret qui a donc porté nomination au président, vice-président, au secrétaire. Maintenant, beaucoup d'entre vous vont se demander quel est donc son rôle, quelle est sa mission. Le CNC veille donc, d'après les textes, hein, par ses décisions et avis, à l'observation des droits, des règlements en matière de communication sociale, de l'éthique, de la déontologie professionnelle, de la paix sociale, de l'unité et de l'intégration nationale dans tous les médias, de la promotion de la langue, des langues culturelles nationales dans tous les médias, de la promotion des idéaux de paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Parlons donc des droits de l'homme. Parlons des droits de l'homme. Vous savez, depuis pratiquement 2016, le Cameroun subit mais une humiliation mais grotesque dans le monde. Vous voyez comment, quand il s'agit de ce qui s'est passé à Maroua, les enfants tués lâchement dans le dos de leur mère, des femmes assassinées, les avocats torturés juste parce que, en se constituant comme mouvement corporatiste, ont voulu revendiquer quelque chose, ce qui n'est que justice, ont été torturés. Vous voyez comment les femmes comme Monique Oumaté-Ken sont lynchées sur le plan psychologique, obligées d'accoucher devant les hôpitaux, mourir, rendre l'âme devant les hôpitaux. Vous voyez des familles traumatisées. C'est les corps des gens qu'on vole dans les morgues. C'est les enfants des gens qu'on vole et qu'on viole. C'est le banditisme à grandes portes ouvertes. Dans toutes ces conditions, le CNC ne dit mot. Le CNC est aussi silencieux que les tombes que nous connaissons dans les quartiers populaires de Douala. Le CNC, donc, qui est censé garantir la protection et la dignité des personnes, n'a jamais fait une sortie, n'a jamais communiqué quoi que ce soit. La raison, c'est quoi? C'est que ces individus doivent leur poste à un décret présidentiel, donc pas de dignité. Notamment, ils devraient s'occuper de l'enfance, de la jeunesse dans les médias, ce qui n'est pas le cas. L'égalité d'accès aux médias, notamment en période électorale, la liberté et la responsabilité des médias. Parlons de la responsabilité des médias. Le CNC a, en 2015, menacé beaucoup de médias privés. Spectrum Télévision, ce que vous appelez RTV. Les radios. Magic FM ont été menacés par le CNC. Des journalistes de la place privée ont été menacés par le CNC. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez bien que des personnes camerounaises agissant dans le sens de la communication sociale ont toujours été attaquées par le CNC lorsqu'ils ont sorti des propos qui étaient des propos à caractère public qui amenaient les Camerounais à se poser des questions sur la condition de vie au Cameroun. Ou bien sur des questions relatives à la politique camerounaise, les décisions prises sur le plan politique qui influençait directement sur la vie politique des Camerounais. Vous comprenez donc que le service public et le service privé de la communication au Cameroun, qui devrait être régi avec une certaine transparence, le pluralisme et l'équilibre des programmes des entreprises de communication au Cameroun n'existe pas. Le CNC devrait permettre de créer des demandes de licences de création des médias. Les chaînes qui naissent doivent permettre, le CNC doit permettre aux chaînes, aux jeunes entrepreneurs, de créer leurs chaînes de télévision, leurs chaînes de radio, leurs magazines, sans problème. Il y a des médias au Cameroun aujourd'hui. La plupart des médias que vous voyez n'ont pas l'autorisation d'exister. Parce que le CNC, d'après les lois de 90, a 15 jours après la déclaration ou bien la déclaration de création d'un média, de laisser quiconque a déclaré ouvrir son média et travailler sans problème. Mais la plupart n'ont pas cette possibilité-là. C'est parce que des personnes comme Matanga dit veulent utiliser ce vide-là pour fermer les médias du jour au lendemain sans avoir aucun problème, aucun scrupule. Il faut que vous compreniez que le gouvernement camerounais
doit créer des rapports, des rapports pour assigner, donner la possibilité au CNC en quelque sorte de gérer les fréquences audiovisuelles, c'est-à-dire télévision, radio et tout, de sorte que ceux-ci puissent donc créer les médias, les organes de presse et tout, et vivre donc sans avoir de problème avec le CNC. Parce que le CNC, qui a donc pour objectif en réalité d'œuvrer à l'émergence d'une presse professionnelle, libre, responsable, ce qu'ils ne font pas, contribuer à la création des conditions favorables hein, à la professionnalisation du secteur des médias dans toutes ses composantes. Mais le CNC est toujours muet. Appuyer, renforcer les capacités des acteurs du secteur média, il n'appuie rien, il ne renforce rien. Aider à la vulgarisation et à la promotion, à la population des textes législatifs, des réglementations qui permettent donc d'améliorer les conditions de travail des journalistes, ils ne font rien. Sur le plan des compétences, en dehors des actions à caractère pédagogique, le CNC doit détenir un pouvoir disciplinaire vis-à-vis des organes professionnels du secteur de la communication. Ça veut dire quoi un travail pédagogique? Il faut que vous compreniez. Des personnes comme l'ancien directeur de Vision 4, qui, avant de devenir directeur de Vision 4, n'avait aucune expérience du métier du journaliste, n'avait aucune expérience de ce que c'est que DI, c'est-à-dire directeur de l'information, n'avait aucune expérience de ce que c'est que les rapports interorganisationnels, n'avait aucune expérience de ce que c'est que les ressources, la gestion des ressources humaines dans le domaine de la communication publique, devrait normalement être appuyé par le CNC pour avoir quand même une pédagogie, en leur rappelant par exemple que, monsieur, vous êtes dans un corps de métier qui a des règles et qui a des canaux. On ne devient pas directeur d'un média avant d'aller à l'école à étudier le journalisme. C'est ce que Ernest Obama a fait. Beaucoup de journalistes au Cameroun suivent ce créneau-là, de devenir d'abord journaliste, entre guillemets, je ne sais pas par quel moyen, avant d'aller se former après pour chercher le diplôme. Et c'est pour ça que le CNC aujourd'hui sait qu'il ne peut donc pas parler. Parce que c'est lui qui entretient ce genre d'inégalité. Rappelez-vous les émeutes qu'on a eues lors de la grève de la faim au Cameroun. Vous avez vu comment le CNC est sorti, jeter l'opprobre directement sur tous les médias privés qui ont ouvert la bouche pour parler en faveur de la population qui a été affamée, esseulée et qui revendiquait un changement structurel. N'oubliez pas que les mesures disciplinaires du CNC, normalement, devraient être les avertissements. On a vu comment ils ont averti, mais jamais la CATV, la suspension. Ils ont suspendu temporairement les activités des médias, mais jamais pour la CATV. L'interdiction définitive, ils le font, mais jamais pour la CATV. Vous avez aujourd'hui en face de vous, je vais dire, le CNC apparaît aujourd'hui comme étant un parti politique qui a pour but de museler tout ce qui se passe au Cameroun dans le sens du changement. La loi de 90 dit clairement que c'est le CNC qui devrait contacter Canal 2 pour leur demander des explications par rapport à ce qu'ils ont fait avec Dame Jomo. C'est le même CNC qui devrait contacter la CATV pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de parler d'un média officiellement comme ils l'ont fait, parce qu'ils ne sont pas le CNC. La CATV, en se mettant devant et commençant à en parler comme elle a parlé, est en train de démontrer qu'elle n'est pas le CNC. Et la CATV est un média public. L'article 25 de cette loi dit clairement qu'il n'y a que les corps privés ou les corps incriminés qui peuvent donc porter plainte ou bien consulter le CNC pour que le CNC aille directement en contact avec le média qui est incriminé pour savoir s'il doit avoir un droit de rectification ou bien si on doit prendre d'autres mesures, allant jusqu'au niveau juridique. Mais la CATV a décidé unilatéralement de le faire. Il est donc important pour vous de comprendre que le conflit politique que nous avions avec le MRC et le RDPC est en train de devenir le conflit médiatique maintenant que nous avons. Dans aucun pays, vous ne voyez des journalistes commencer à se tirer dessus par médias interposés. C'est une catastrophe. C'est un scandale. C'est tellement grave que cela va paralyser le système de l'information au Cameroun pendant un bon moment.
obligeant ici les individus qui sont non alignés, donc dans les médias privés, qui n'ont pas choisi d'être soit pour le MRC, soit pour la CHTV, de se positionner. On va contraindre des individus, les Romaric Tenda, les Jules Domptier et consorts, tous ces journalistes qui sont dans l'environnement journalistique au Cameroun, mais qui veulent faire leur métier sans déranger qui que ce soit, on va les obliger maintenant de prendre position. Et une fois qu'ils vont prendre position, on risque de les isoler. Je vous rappelle déjà que sur le bouquet, pour vous qui êtes en France, vous allez remarquer que Equinox commence à disparaître au fur et à mesure de certains bouquets. C'est important que vous le notiez. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre la guerre de communication dont je vous parle depuis est une guerre qui est asymétrique. Parce que nous avons en face de nous aujourd'hui un gouvernement qui a clairement pactisé avec le système de la France-Afrique. Nous avons en face de nous un gouvernement qui a pactisé avec la France, qui a pactisé avec les forces néocoloniales qui oppriment l'Afrique depuis un certain nombre de temps. Et partant de là, vous, les Africains, les Camerounais en particulier, qui ne financez jamais des projets, qui ne soutenez jamais vos frères, oui, mais Fox, CNN, ce sont des médias aujourd'hui qui sont des médias différents. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, vous avez une politique qui est plus forte, Catalyst indiqué. Vous avez des politiciens aux États-Unis qui sont plus forts. Les institutions aux États-Unis sont plus fortes. Par contre, au Cameroun, on n'a pas d'institutions, puisque sur le plan juridique aujourd'hui aux États-Unis, si par exemple Fox sort une information, la BBC, du moins la représentation de BBC là-bas, peut porter plainte. Et là, vous aurez des institutions juridiques qui vont s'asseoir, ils vont réfléchir, ils vont donner la justice aux médias qui ont raison. Si CNN fait du tort à, par exemple, disons, à Fox, ou bien fait du tort peut-être à un autre média aux États-Unis, le média a le pouvoir de porter plainte, de voir l'organe de régulation de la communication là-bas, et cet organe va rendre la justice. Par contre, au Cameroun, le problème, c'est quoi? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez, à l'époque, avant le CNC, il y avait des organes qui étaient des organes d'autorégulation. Ça veut dire que les journalistes pouvaient s'autogérer eux-mêmes, s'asseoir entre eux et dire, bon, voici celui-ci, tu as mal fait ton reportage. Parce que la formule même qui a été utilisée par la CIA-TV pour dire que le média Equinox avait fait un reportage ou bien avait officialisé ou bien avait produit un travail qui n'était pas vrai ou bien qui était contestable, cette formule-là n'est pas une formule journalistique. On est dans l'opinion dans ce moment-là. Et pour un média public, ça n'a pas de sens. La CIA-TV reçoit le financement de l'État. Les membres qui sont les consultants permanents de la CIA-TV, les travailleurs de la CIA-TV sont tous du RDPC, la plupart du RDPC, des consultants communicationnels du RDPC, membres du bureau du bureau de communication du RDPC, communicateur ou bien représentant ou secrétaire à la communication du RDPC, vous voyez que la CIA-TV devient donc une instance de communication du RDPC. Maintenant, allons au-dessus. L'instance maintenant qui est censée contrôler la communication dans tout le Cameroun, le CNC, qui est imposé en 1990, crée un autre problème. Puisqu'il vient, il vous dit que c'est le CNC maintenant qui va diriger toutes les communications, point final. Ce même CNC, le président du CNC, le vice-président, sont nommés par décret. Ils sont nommés par décret présidentiel, direct. Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel. Ça veut donc dire, celui de la CIA-TV passe par le président, celui du CNC passe par le président. Les sénateurs passent par le président. Il n'y a donc plus communication. Puisque Paul Biya étant le premier magistrat a encore la main mise sur le Conseil constitutionnel, le CNC n'a donc pas la force juridique de pouvoir rendre justice. C'est de ça qu'il est question. Par contre, dans le cas des États-Unis, il suffit seulement que deux, trois républicains
disent que nous, on est contre ce que on a vu avec Donald Trump, qui disait que ce sont des fake news. Il a été attaqué par des médias, lui en tant que président. La régulation de la communication des États-Unis a demandé à Donald Trump de revenir à l'ordre et d'éviter d'attaquer la presse de cette façon. D'ailleurs, on voit tout ce que ça entraîne aujourd'hui avec Donald Trump. Il est attaqué partout. Et ça commence dans son propre pays. Par contre, le CNC au Cameroun ne peut même pas, il n'ose même pas aujourd'hui dire que ce que la CATV a fait ne respecte pas la loi de 90, que ce que la CATV a fait est n'est pas déontologique. Parce que s'il le dit, il va s'attaquer directement à l'organe de communication du RDPC. L'autre dit, soyons sincères et disons ensemble qu'Equinox a mal fait de diffuser une information mal vérifiée. On ne parle pas de la même chose, mon frère. Moi, je te parle des textes. Je te parle des textes au Cameroun. L'information mal vérifiée n'existe pas. Quand on dit une information, c'est un élément que tu n'avais pas au départ. C'est pour ça que tu en es informé. Donc, le fait d'informer, c'est le fait de rendre une information publique. Alors, l'information que Equinox donne est une information. Qui est la personne visée par l'information? Qui est la personne visée par l'information? Posez-vous les questions fondamentales. Dans le journalisme, il y a des questions importantes qu'on appelle les questions W. Qui a fait quoi? On voit dans les responsabilités de l'État dans un contexte particulier qui est la violation des libertés fondamentales humaines. C'est ça la question qui est mise en exergue. Alors, l'information n'est pas vérifiée. Pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas eu les images? Si, vous avez eu les images. Est-ce que vous n'avez pas eu un sujet? Ça veut dire qui dit quoi? Vous avez eu un sujet, Jomo Stéphanie. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez ce qu'elle dit. Où ça s'est passé? Vous avez un lieu. Quand cela s'est passé, est-ce que c'est actuel? Oui. Maintenant, on est dans les canaux maintenant, le mécanisme maintenant du vu et du ressenti. Qui était là-bas? A-t-on parlé avec ces personnes? Peuvent-ils vérifier l'information? Oui. Est-ce que cette information est retraçable dans le temps? L'historicité? Oui, c'est là. Alors, quand l'État camerounais, à travers la voix de la SATV, vient dire que c'est une information fausse, il y a ce qu'on appelle une contre- ou un contre-reportage. Il faut que vous compreniez le processus. La déontologie voudrait que la CATV n'en parle même pas. Qu'ils repartent sur le même terrain, fassent une contre-expertise de cela, et venez dire, nous étions sur le terrain et voici ce qui s'est passé. En réalité. Ou on aura donc des personnes qui vont faire des allégations contraires par rapport à ce que Stéphanie Ndjomo a dit. Et c'est à partir de là maintenant que la justice se saisit du dossier, dit en réalité, qui a fait le bon reportage, qui n'a pas fait le bon reportage. Voilà comment la procédure est envisagée. Ça veut dire que la CATV devait envoyer des experts sur le terrain. Elle a des moyens. Elle prend l'argent du contribuable chaque jour. Il faut que ça serve à quelque chose. Qu'elle aille sur le terrain et qu'elle interviewe des gens. Mais l'argument de base de ce média, c'est de laisser parler cette femme pour dire qu'elle est venue démentir ce qu'elle a dit plus tôt sur le plateau d'Equinox. Mais il faut que vous soyez un peu plus professionnel que ça. Parce que si vous êtes logique, si vous êtes logique un temps soit peu, à partir du moment où Stéphanie Ndjomo sort de prison d'une arrestation, et vous connaissez comment les arrestations camerounaises sont, du moment où cette dame sort d'une arrestation, son propos n'est plus crédible. Du moment où Nathalie, pourquoi elle dit tout Nathalie tout le temps? Du moment où Stéphanie Ndjomo sort de l'arrestation d'une garde à vue musclée par le gouvernement camerounais, par les forces de l'ordre camerounaise, son discours n'a plus beaucoup de crédit. Je peux vous expliquer pourquoi. Je veux qu'avant de commencer, vous gardiez dans votre mémoire le nom
de Longuet Longuet. Vous vous rappelez, il vous souvient forcément que Longuet Longuet a tenu des discours assez serrés contre le gouvernement camerounais. Le même Longuet Longuet est revenu devant vous, les genoux à même le sol, pour pleurer et demander à ce qu'on lui permette de voir ses enfants grandir. Nous tous, on connaît la façon dont Longuet Longuet parle. Nous connaissons la manière dont Longuet Longuet parle. Et quand Longuet Longuet vient à demander pardon, c'est parce qu'il a été tenu par quelque chose. Et c'est les mêmes méthodes, par exemple, qui ont été utilisées forcément sur cette femme, puisque on sait qu'une femme qui est arrêtée, qui est mise en prison, qui est menacée, est obligée parfois, certaines personnes sont obligées, pas tout le monde, de dire certaines choses pour satisfaire leur bourreau et donc de regagner leur liberté. La preuve en est que depuis qu'elle a dit, ai-je une certaine liberté, avant de l'avoir dit, elle n'était pas en liberté. Ça veut dire que depuis qu'elle a dit, elle a perdu sa liberté et sa liberté lui a été octroyée de nouveau une fois qu'elle a dit ce qui arrangeait dans ses bourreaux. C'est de ça qu'il est question. Donc, chers amis, il est très simple de comprendre ce qui se passe. Quand vous avez une information comme celle-là, il va falloir prendre le temps de lire ce que le texte prépare. Il va falloir prendre le temps de lire les éléments qui sont autour. Il y a quelque chose qui gêne ce gouvernement, c'est que Equinox en réalité n'est pas plus brillant que les autres médias, non. Equinox n'est pas plus fort que les autres médias, non. Equinox a quelque chose de différent par rapport aux autres médias, par rapport aux autres organes, c'est qu'il fait son travail. Le travail du journalisme est un travail basé d'abord sur le terrain. Le métier de journalisme est un métier caractérisé par le terrain. Et il faut que vous compreniez que de la même façon qu'on dit que l'argent révèle la nature de quelqu'un, la vraie nature de quelqu'un, le microphone révèle la nature du journaliste. Parce que le microphone devient comme une arme. Avec une arme, on peut soit tuer quelqu'un, soit se tuer nous-mêmes. Et dans le contexte actuel au Cameroun, le média Equinox a utilisé le microphone comme porte-voix pour ceux-là qui n'avaient donc plus la liberté de s'exprimer dans d'autres médias. Et la plupart des personnes qui viennent s'exprimer et qui sont en désaccord avec ceux-là qui soutiennent le média Equinox ne comprennent pas l'évolution des problèmes camerounais. Il faut que vous preniez le temps de vous rendre compte à la période, au moment de l'élection de 2018, vous vous rendrez compte, le professeur Maurice Kamto avait décidé de ne plus passer sur certains médias, notamment Vision 4, parce qu'il avait compris que Vision 4 était un problème pour la stabilité culturelle du Cameroun. Il avait compris qu'en partant à Equinox, il ne partait pas répondre à des journalistes qui feraient leur travail journalistique, c'est-à-dire pour savoir quels sont les projets politiques, pour savoir quels sont les tenailles, les tenants, les aboutissants, les tout, les contours et les pourtours de son parti politique et des idées, des idéologies politiques qu'il défendrait pour l'élection d'octobre 2018. Mais plutôt qu'on devait l'attaquer sous la ceinture en allant dans les arguments tribalistes et des arguments clivants. Il a donc décidé de ne pas y aller. Partant de là, le média Equinox lui avait donc donné la possibilité de s'exprimer. Equinox, donc, par ce fait-là, est devenu comme étant l'espace où les personnes qui n'étaient pas donc les bienvenues par sur d'autres médias, parce que d'autres médias, pour y aller, il faut avoir un oncle qui y est, il faut avoir un ami qui y est, il faut avoir tel argent, il faut pouvoir donner les perdièmes à celui-ci, il faut pouvoir voir telle personne qui va appeler telle autre personne pour qu'on y passe. Equinox est devenu un média simple, qui invitait donc tout le monde. Et partant de là, c'est devenu le média qui avait donc le plus de côtes, puisque les gens qui étaient lésés, étant nombreux, se sont mis derrière Equinox. On se rend donc compte maintenant que quand il y a les massacres du côté du Nozo, la SAT-TV n'en parle pas. Canal 2 n'en parle pas, sinon très peu.
très peu de médias parlent clairement de ce qui s'y passe. Je ne reviendrai pas sur le cas de Mumu-Fo. Vous savez ce qui s'est passé avec elle. Vous voyez que Equinox s'est parfois illustré sur le, en termes journalistiques avec des reportages et des travaux qui ont toujours porté directement, qui ont mis en face de leurs responsabilités certaines autorités de l'État. C'est ça qui a créé l'adhésion de la population à Equinox. Il est donc maintenant question de casser ce rapport-là. Et je peux vous dire pourquoi. Je lis quelques messages, hein, permettez-moi de lire quelques messages le temps que vous partagez. Vous êtes vraiment zélé, hein? Vous venez avec vos pieds dans le direct de quelqu'un et vous lui demandez de dégager. Oui, c'est quelque chose de particulier chez nos frères les Camerounais, c'est quelque chose de particulier. Pourquoi tu ne penses pas qu'elle a voulu passer une fausse information? Ça l'a rattrapé et elle a ensuite dit ma vérité qu'il a libéré. Non, je suis d'accord avec toi. Sa parole après la sortie d'incarcération est peu crédible. Mais c'est tout à fait normal. Puisque quand vous partez donner une version, la première chose qu'on vous demande, c'est est-ce que parlez-vous, monsieur ou madame, sous la contrainte? Êtes-vous menacé? Avez-vous subi des pressions? Ce n'est que après. Ce n'est qu'après avoir été sûr que la personne n'agit pas sous la contrainte qu'on peut dire oui, cette personne parle de son libre chef. Mais pour une femme qui vient fraîchement d'une incarcération, ce qu'elle dit n'a pas de, ça n'a pas de poids. Jusqu'à l'établissement du fait qu'elle parle en libre conscience. C'est un élément. Maintenant, partant de ce que j'ai lu tout à l'heure, de savoir pourquoi est-ce que je ne pense pas qu'elle aurait voulu passer une fausse information. Mais écoutez, écoutez, nous sommes dans un pays aujourd'hui dont les réalités ne sont ignorées par personne. Si je viens vous dire que des personnes sont torturées à l'heure où vous et moi on parle par les éléments du BI, vous ne me direz pas que je le dis parce que je suis contre le BI, parce que c'est une vérité. Si je viens vous dire qu'une femme appelée Monique Koumatekin a été abandonnée devant un hôpital à l'entrée et est morte avec des jumeaux dans son ventre, qui ont été extirpés de son ventre par, avec une lame de rasoir des mains de sa propre sœur, médusée, scandalisée par le rapport qu'elle avait à son propre pays, qui est censé, ce qui devrait être censé protéger les vies que de les faire mourir, de les faire disparaître de cette façon-là. Vous ne me direz pas que je le dis dans mon intérêt. Quel serait mon intérêt? Si je vous dis que Michèle Ndoki, avocate à caractère international, qui se bat pour le Cameroun, qui a créé un cursus pour valoriser l'intellectuel du Camerounais, parce que partout où elle va, elle n'est pas consciente de l'activité camerounaise. Si je vous dis que c'est par les soldats, par les forces de coercition de l'État qui ont juré fidélité de protéger les individus et leurs biens, vous me direz que je mens parce que je le dirai dans quel intérêt? Si je vous dis que des individus au Cameroun qui ont suivi leur cursus scolaire au Cameroun depuis le CEP, c'est-à-dire le cours élémentaire ou le cours préparatoire, si vous voulez, n'ont jamais eu le soutien de l'État. Dans les écoles, vous n'avez pas des bibliothèques. Vous n'avez pas de renseignements historiques qui vous permettent de connaître ce que c'est que votre pays. Vous arrivez au lycée, on vous apprend l'espagnol, on vous apprend l'allemand. On ne vous dit pas quel est votre rapport avec l'africanité. On ne vous dit pas quels sont vos rapports avec les pères fondateurs, permettez-moi l'expression dans ce contexte, de votre État. On ne vous dit pas, il y a un chapitre d'ailleurs qu'on appelle la résistance, impérialisme, résistance en Afrique, Afrique subsaharienne, Afrique orientale, Afrique. Mais en réalité, on nous apprend à accepter la domination permettez-moi l'expression, hein, de l'Ocodem. Je suis libre de l'utiliser comme je veux, cette expression. Et quand on ose aujourd'hui apprendre autour de ces personnes-là, revenir dans son pays et dire qu'on veut servir son pays, on est taxé de déstabilisateur de son État. Quel est mon intérêt? Si une femme décide de porter ses jambes
de venir dans un média, demander la parole. Le rôle du média, c'est quoi? C'est de lui offrir une plateforme pour d'expression. Une plateforme d'expression qu'elle a utilisée pour dire ce qu'elle veut, ce qui n'engage qu'elle. L'erreur d'Equinox est de n'avoir pas officiellement, lors de l'émission, rappelé à cette femme qu'elle était garante de ce qu'elle disait. Parce que vous avez sur votre plateau quelqu'un qui souffre, qui dit avoir subi les affres d'un gouvernement aux abois qui tire sur sa propre population. Gabu, c'était la même chose. Est-ce que la CIATV est partie mener une enquête en Gabu? Non. Si quelqu'un de Gabu venait sur le podium de l'Equinox et nous donnait le récit de ce qui s'y est produit, on aurait crié au scandale. Et pourtant, ni le CNC, ni les journalistes aujourd'hui de la CIATV qui sont en train de s'ériger en organe de régulation de l'information au Cameroun n'y sont allés. Je vous rappelle que ce n'est pas le canal de cette même CIATV. Un ministre de la Communication est passé à l'époque pour traiter de Maliens les Camerounais en tenue camerounaise qui avaient tiré sur des femmes du côté de Maroua. Est-ce que le CNC a fait une enquête pour démontrer aux Camerounais qu'il s'agissait de ressortissants maliens? Est-ce que le CNC y a lancé une enquête? Non. Est-ce que le ministère camerounais, le ministère public, a ouvert une enquête? Non. Est-ce qu'il a été fait un rapport pour que le Camerounais lambda sache réellement ce qui s'est passé? Non. Est-ce que vous, Camerounais aujourd'hui, qui soutenez mordicus l'intégrité déontologique du média CIATV avait ne serait-ce qu'un nom d'un enfant assassiné sur le dos de ses parents du côté de Maroua. Non, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de rapport. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas verbalisé ce qui s'y est passé. Mais dans le cadre maintenant de ce qui se passe au Cameroun avec l'Équinoxe, il faut que vous compreniez qu'il y a besoin de museler Equinox maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que nous sommes le 11e mois de l'année du calendrier européen. Nous sommes au 11e mois de l'année. Et après 11, la logique veut que ce soit 12, si je ne me trompe pas. Et en décembre, effectivement, nous avons une élection qui arrive. Nous avons une élection régionale. Et cette élection est capitale pour la vie du Cameroun à venir. Puisque vous voyez que déjà, le professeur Maurice Kamto est calé dans sa résidence. Résidence qui d'ailleurs est plus suivie maintenant que la résidence même de celui qui est censé être le président du Cameroun. Le président de facto, on va le dire, du Cameroun. On parle d'un monsieur qui, s'il vivait, serait au moins à 94 ans aujourd'hui. Lui, il a besoin de soutien. Il a besoin d'aide, il a besoin de sécurité. Mais il y a plus d'hommes devant le domicile de quelqu'un qui n'a pas encore 70 ans. De qui se moque-t-on? Vous voyez qu'il y a une volonté claire de museler, de recroqueviller l'ensemble des personnes qui sont dissidentes, tant dans le domaine politique que dans le domaine communicationnel. Et en muselant Equinox, ou bien en menaçant Equinox comme ils font là, Equinox va réduire le gaz. Equinox va lever un peu le pied sur la pédale pour éviter de se tirer le chignon avec quelques autres médias. Je vous rappelle que la CIATV a été obligée de faire cela parce que Vision 4 avait déjà été exposée. Parce que Vision 4 avait déjà été exposée. Parce que dans un gouvernement dictatorial, il faut une voie escalier pour entraîner la diversion, pour créer la vacuité, si on peut le dire ainsi.
Il faut tourner toujours au dérisoire ce qui se passe. Il faut distraire les personnes de ce qui se fait réellement, de ce qui est, de ce qui se doit d'être. Je ne trouve pas que c'était une erreur. Je pense que le journaliste a besoin des informations. Non, 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 c'est pas, c'était une erreur. Pourquoi? Parce que, en tant que journaliste, on est aussi un éducateur. Renseigné, éduqué, informé. Et dans le contexte camerounais, il était peut-être important de dire, oui, ces propos, nous prendrons le temps d'aller vérifier. Mais Equinox, après les premières balles qu'elle a reçues, cette chaîne de télévision est repartie sur le terrain. C'est ça, c'est là où ça devient intéressant pour Equinox. C'est qu'ils sont repartis sur le terrain et après y être allés, ils ont reconfirmé l'hypothèse de départ qui était celle de Mme Diomo. Alors, à ce moment, la CATV, ni la CATV, ni le CNC ne peuvent donc plus, un comme l'autre, désigner Equinox comme étant le responsable des propos tenus par une dame qui est adulte, qui est garante d'elle-même, qui est parent et qui est responsable vis-à-vis de la loi. C'est pour ça que je dis, si jamais il eût fallu critiquer Equinox, cela n'aurait été que dans ce cadre donné-là. Mais puisqu'ils ont revérifié l'information, parce qu'il y a ce qu'on appelle des compléments d'enquête en journalisme, je dis bien complément d'enquête, je ne dis pas complément de reportage, je dis complément d'enquête. Ça veut dire que le journaliste mène des enquêtes. Ils ont donc apporté le résultat de leur enquête, qui a été un peu attaqué, et ils ont donc fait un complément d'enquête pour étayer donc l'hypothèse principale. Et je vous rappelle que la vérité est un ensemble de faits qui sont vérifiables. Vérité vérifiable. Ce que la CATV a fait par contre est une négation d'un fait vérifié. En prenant pour argument les paroles d'une femme sous pression. Et tout ceci dans le silence méprisant d'un organe de régulation imposé aux Camerounais. Le CNC a suffisamment d'argent. Je dis suffisamment d'argent pour aller mener une enquête et vérifier ce qui s'y passe réellement. Donc, les Camerounais qui viennent tenir des discours abracadabrantesques de dire tel média a raison, tel média a tort, non, il n'est pas question de médias. Il ne s'agit pas d'Equinox. Il ne s'agit pas de la CATV. Il s'agit des décisions politiques qui sont des décisions erronées. Il s'agit des décisions politiques qui démontrent encore l'inaptitude de ce gouvernement à gérer quoi que ce soit. Le CNC est un organe dont le président est décrété par Biya, dont le secrétaire général est voté, est décrété par Biya, dont le vice-président est décrété par Biya. Je vous rappelle quand même que nous parlons d'un pays où il n'y a pas une cellule de communication présidentielle. Et si vous et moi, nous partons sur la base, nous partions sur la base que journalisme est un corps de métier, communicateur est un corps de métier. Dans le journalisme, il y a des sous-corps de métier. Il y a des investigateurs. Il y a des journalistes spécialisés en politique, en économie, en recherche scientifique. Il y a des journalistes spécialisés en biologie. Il y a des journalistes spécialisés en culture. Il y a des journalistes spécialisés en documentation, en documentaire, psychologie, en communication. Vous avez des communicateurs d'entreprise.
vous avez les communicateurs public relations, en relations publiques. Vous avez des métiers, des corps de métiers différents. Mais au Cameroun, on a pris tous ces corps de métiers, on les a contractés, on a pris tous les corps du journalisme, on les a contractés, on en a fait une patate. Et tout ça, on a donné à un ministre qui devient encore le porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'on peut définir la malgérance mieux que ça? Qu'est-ce qu'un ministre de la communication, comme ce que je vois au Cameroun, peut comprendre d'un problème journalistique? René Emmanuel Sadi n'a aucune expérience journalistique. Il ne saurait même pas comprendre l'enjeu de la destruction massive qu'ils sont en train de faire actuellement sur le plan journalistique au Cameroun. Je vous rappelle qu'on parle d'un métier quand même au Cameroun où vous avez des personnes qui se lèvent le matin, font ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ou elles peuvent faire dans l'école, deviennent des charpentiers, des menuisiers, des maçons, des ingénieurs, et finalement deviennent aussi journalistes. Ce qui n'est pas mauvais. Mais sauf que qu'est-ce qu'ils ont en rapport avec la déontologie journalistique, avec la démarche journalistique? Parce que le journalisme est une science. Et qui dit procédé? C'est un ensemble de procédés auxquels il faut se soumettre, mais avec une rigueur scientifique incroyable. Le mathématicien peut vous faire 1 plus 1 égale 2. À Douala, à Bépanda, à Ndokoti, à Melen, à Simalène, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Le communicateur va faire ce qu'il veut, comme il veut. Mais est-ce que dans le ministère de la Communication au Cameroun, vous savez que les responsables sont des gens comme les Bandakan, les... Ça s'appelle comment? Oh là là, j'oublie son nom. Ça me viendra forcément. On oublie ce qui n'est pas trop important de toute façon. Mais vous voyez, vous avez des personnes qui n'ont rien du corps de métier, qui n'ont même pas le respect de ce métier. Ô combien passionnant. C'est pour ça qu'au Cameroun, vous avez des journalistes qui vont se mettre à se tirer le chignon avec quelqu'un qui est devenu communicateur par la force du temps. Parce que les deux ne parlent pas le même langage. Le journalisme a ses codes. Si on se met à parler code journalistique, vous aurez des gens de la scientifique qui seront perdus. Je ne parle même pas en termes technologiques, même en termes techniques, ce serait la catastrophe. Donc, voilà comment on est en train de tuer. Voilà comment on est en train de tuer la communication dans un État. Tout ça parce qu'on veut empêcher que vous, Camerounais, vous sachiez la vérité. On vous distrait de toutes parts. Je vous avais dit, il faut toujours compter les jours après l'apparition du président et n'importe quoi. Des comptes. On les a vus sortir il y a quelque temps, non? Entre guillemets, à 35 jours. Je dis 35 jours. 3 fois 10 plus 5 jours. Vous voyez qu'ils vont encore faire une sortie. C'est comme ça, c'est stratégique, c'est compté. Allez sur leur plateforme, vous écrivez, allez dans Google PS et présidence de la République du Cameroun, vous verrez les intervalles d'apparition de ces personnages. Il est question ici de museler la presse définitivement, de sorte que l'élection qui se passe, qui va se passer en décembre, se passe sans embâche. Les femmes auront beau se déshabiller comme elles le font devant les domiciles devant le domicile du professeur Maurice Kamto, président national du MRC. Vous ne saurez ça que par la force de vos téléphones portables. Avec le peu d'argent qu'ils ont encore pour le moment, ils vont s'arranger à donner suffisamment d'argent à certains ingénieurs et à certains collaborateurs de Facebook pour que ces derniers vous bloquent partout où vous serez dans le monde. N'utilisant plus Facebook, comment communiquerez-vous?
Il faut donc couper le cordon ombilical communicationnel entre le Cameroun et la diaspora. Et puisqu'on s'est rendu compte, je vous ai montré vous-même, pour vous qui me suivez, je vous ai montré au soir de l'émission présentée, au soir du journal présenté par Cédric Nouphelé, le confrère de Kinox, je vous ai montré en termes d'apport financier les productions estimatives financières de la CATV comparativement à ce que Kinox gagne. Vous avez vu que l'argent que la CATV gagne par an n'atteint même pas le quart de ce que Equinox gagne par mois. Ça veut dire qu'on a un média, d'une part, qui est Equinox, qui est arrimé à la mondialisation, qui est préparé à entrer dans l'ère de la concurrence sur le plan médiatique, sur le plan multimédia. Et quand on dit multimédia, ça porte bien son nom. Multi, plusieurs. Médias, moyens de communication, plusieurs moyens de communication. La CATV, c'est quoi ces moyens de communication? C'est la propagande politique. C'est l'isolation. Pourquoi l'isolation? Parce que les accréditations sont la chasse gardée de la CATV. Pour l'étage, d'autres n'ont pas la liberté de pouvoir obtenir certaines accréditations ou certains accès dans des plateformes de formation, des séminaires, de discussion, de n'importe quoi. Primeur à la CATV. C'est injuste. C'est injuste. Donc, il est question ici de comprendre, chers amis, que nous sommes en train d'assister, pour la plupart silencieusement, au retour du non-verbal comme étant le moyen de communication par excellence. Je dis que nous sommes en train de retourner à l'ère du non-verbal. Ça veut dire à l'époque où les êtres humains ne parlaient pas. Tu vas regarder ton frère en train de tuer ton voisin, tu vas dire mmh. Parce que si tu parles, on va te tuer. Et les gens sont surpris de voir les femmes se déshabiller. Mais c'est pas croyable. Les femmes qui se déshabillent. Vous voulez que je vous rappelle qu'on a déshabillé un journaliste camerounais devant les policiers pour l'humilier? Hein, Sismondi Bidioka. Vous voulez que je vous dise ce qui est arrivé à ce monsieur? Donc, il y a le déshabillement légal et le déshabillement illégal. Vous voyez que même dans la honte, vous êtes sélectif. Même dans la honte, vous êtes sélectif. Même dans l'imbécilisation, vous êtes sélectif. Puisqu'il y a des gens qui réussissent quand même à venir dans un direct et à me dire que je devrais vendre mes cheveux. Alors qu'on fait des choses sérieuses. Et après ça, la personne met quand même le drapeau de son pays derrière pour dire quel respect il a pour son pays. Voilà les gens qui sont, comment dire, les gens face auxquels nous sommes appelés à parler. Quand vous voyez ce niveau de réaction, comment estimez-vous que la population camerounaise soit amener à comprendre la hauteur d'un discours. Vous ne vous rendez pas compte que si on isole Equinox, si on isole Equinox, ça veut dire qu'Equinox ne s'exprime pas. Vous allez suivre quoi? Vision 4, Canal 2, CATV. Quels médias vous allez suivre? Est-ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui que ce qu'on appelle l'AEF et l'AOF, ça veut dire en général l'Afrique qui parle français,
diffuse son information au quotidien dans ce qu'on appelle en journalisme l'agence de presse française, AFP. Chaque grand espace géographique dans le monde, en termes de langue et de puissance économique ou de géopolitique, à ce qu'on appelle une base de données. Et c'est fondamental. Parce que l'AFP, l'Agence France de Presse, prend des informations susceptibles de mettre la France en termes d'information et de communication au-dessus de tout. La DPA, bon, Deutsche Presseagentur, l'agence de presse allemande, s'arrange à ce que les informations qu'elle a soient des informations qu'elle maîtrise et qui vont dans le sens du rehaussement ou bien du haussement ou bien dans le sens amélioratif de l'Allemagne. Chacun se bat pour son village. Laissez-nous les histoires là. Quand elle dit dans son village, je parle en fait que chacun se bat pour son église. Hein. Il ne faut pas que vous preniez pour un tribaliste qui dit qu'on est pas. Non. Donc, la Chine nouvelle se bat pour les informations de son pays. Reuters le fait pour son pays. Donc, vous n'avez que des gars comme les Camerounais et nos frères d'Afrique francophone qui n'arrivent pas à avoir une information qui soit typique au Cameroun, typique au Sénégal, typique au Mali, typique en Côte d'Ivoire, typique au Congo. Rien. Rien. Le journaliste de Bepanda CF, il prend son téléphone, il va dans Google, il écrit RFI. Il voit les titres de RFI, il va, il écrit ça, il lance sa part, ça va sortir. Ça, la paresse. Ça, la paresse. Et quand on va donc fermer Equinox, qui, en dépit de tout ce que vous racontez, a quand même certains correspondants qui vont sur le terrain, qui se soulèvent le pantalon pour entrer dans la boue, parce que ceux de la chatte, ils sont trop propres. Ils sont en veste, ils sont bien sapés, là, ils ne peuvent pas se salir. Pour les déplacer, il faut au moins 500 000. Ceux d'Equinox sont pauvres. Tu les donnes même 500, ils viennent. Eux, ils viennent donc toucher du doigt les problèmes de la société. Je salue ici vraiment humblement encore mon collègue, confrère Malik Ruben. Malik Ruben Djoumissi, c'est pour moi une icône de ce métier. En dépit de tout ce qui a été fait contre cette personne, le temps n'oubliera jamais la marque que tu as mise dans ce métier au Cameroun. Ruben Malik Djoubissi, retenez ce nom. Voilà des gens qui ont contribué à faire de ce métier un métier val. Et comme le Cameroun est allergique à l'excellence, on l'a jeté comme un impropre, une histoire odieuse. Mais quand on parle de choses comme ça, les Camerounais sont tout de suite intéressés. Parce qu'ils aiment la foi, ils aiment savoir. Gars, raconte-nous tout, parle de tout. Si j'avais titré ici, aujourd'hui je parle du Bobby Tanap, vous serez peut-être 400. Parce que vous êtes dans des choses comme ça. Vous êtes là. Vous êtes content. Quand on parle de fesses, quand on parle de sexe, oui, vous êtes tout à fait content. Mais est-ce que cela contribue à construire un pays? Est-ce que le commérage, les racontages qu'on fait de gauche à droite permettent de construire un pays? Les gens qui sont dans cette révolution, que vous soyez journaliste, que vous soyez commerçant, que vous soyez entrepreneur, que les actions que vous posiez passent par des maximes claires. Pour ceux qui ont oublié, pour ceux qui n'ont pas fait de philosophie, on s'en fout. Mais retenez quelque chose de simple, c'est que posez-vous toujours trois questions. Est-ce que ce que je dis est vérifiable? Est-ce que ce que je dis apporte quelque chose de plus à celui à qui je dis? Est-ce que ce que je dis, je suis obligé de le dire?
Si la réponse à cette question est négative, passez votre route. Passez votre route. Si ce que vous allez dire ne dépasse pas le silence, passez votre route. Si vous voyez qu'on viole, on tue quelqu'un, vous voyez que ce que vous allez dire ne va pas aider la personne. Ce n'est pas vrai. Ça ne se justifie pas. Ça n'aide en rien. Vous n'avez pas besoin de le dire. Passez votre route. Mais n'ayez pas la mauvaise conscience, parce que vous aurez été responsable de cette conscience-là. C'est ainsi que les actions qui sont posées aujourd'hui au Cameroun. Parce que vous oubliez un truc de fondamental, c'est que dans la plupart des pays européens dans lesquels nous vivons, nous avons une pyramide des âges différente de celle que nous avons chez nous en Afrique. Au Cameroun, en 2018, l'âge moyen du Cameroun était 17 ans. 17. Ça veut dire que nous avons au moins 70% de la population camerounaise qui est jeune. Il dit au moins 70%. Donc, que vous le vouliez ou pas, les jeunes vont être appelés à prendre le pouvoir. Ils vont être appelés à prendre le pouvoir. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous leur direz quoi? Vous leur direz quoi? Vous vous êtes aussi battu contre Paul Biya? On ne vous a pas vu. Normalement, on parle de sexe, boisson, en musique, quand le pays est déjà construit et que les citoyens ne manquent presque de rien. Mon frère, si les gens ne vous suivent plus, vous êtes de gros bavards et menteurs. Hein? C'est clair. Donc, c'est de ça qu'il est question. Si les gens ne me suivent plus, toi, tu me suis au moins, tu es là, tu as le temps d'écrire. Donc, bienvenue en tout cas. Bonne continuation. Donc, si le Cameroun. Si le Cameroun. J'ai dit au moins 70. Donc, je ne suis pas un. Il n'y a pas de données. Vous savez qu'au Cameroun, on a un institut qu'on appelle l'Institut des statistiques. L'Institut national des statistiques, c'est basé à la Cité Verte, je crois, à Yaoundé. Les statistiques, on ne sait jamais. Puisque les statistiques, en général, incriminent toujours l'État. Donc, forcément, ils ne produisent pas de statistiques claires. C'est pour ça que l'on n'a pas de chiffres clairs du nombre de personnes tuées dans les régions du nord, du Nozo. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, nous avons une jeunesse qui ne s'assume pas. Parce que beaucoup de personnes sont venues en Europe par des biais flous. Parce que beaucoup de personnes ne prennent pas au sérieux les institutions dans leur pays. Et je rappelle encore ici, beaucoup seront contre des personnes comme Barack Obama, mais je dis en toute personne, il faut toujours voir les actions dans le sens de ce qui a fait de bien et ce qui a fait de mal. Il avait dit une fois, Africa needs, c'était quoi? Dans le sens des entreprises, des institutions. Strong institutions. Not strong people. On n'a pas besoin des hommes forts, mais on a besoin des institutions fortes. Ça fait tout un débat. Ça fait tout un débat. On entendait parler de partout. On a fait tout un débat. Pourtant, quand le Camerounais s'assoit chez lui, il dit à sa femme qu'ici c'est moi le chef. Ça va marcher comme je veux parce que c'est moi l'homme ici. Pourquoi ça va marcher comme ça? C'est écrit où? Est-ce que c'est la force de tes poings qui va déterminer qui dirige? Mais si c'est dans ce cas, personne de nous au Cameroun n'a besoin de se plaindre du gouvernement, puisque le gouvernement ne fait qu'utiliser la force qu'il a pour imposer sa justice. Mais le problème au Cameroun, c'est que nous sommes en train de vouloir passer la force aux institutions. Parce qu'une fois qu'on décentralise vraiment un État, on a l'exécutif, le judiciaire, le législatif, chacun d'eux a son pouvoir séparément et souvent, dans un quelconque sens, on ne peut donc plus imposer à l'exécutif quelque chose et par réciprocité.
aux autres pouvoirs. Ça fait que quand la justice va dire que, monsieur le ministre, vous avez volé tel nombre d'argent, vous êtes criminel, il n'y a plus rien à dire. Mais quand vous avez des élections présidentielles qui se terminent et que le responsable du Conseil constitutionnel dit irrecevable, ça veut dire qu'il ne prend même pas le document. Ça veut dire qu'il ne reçoit pas. Ça veut dire qu'en réalité, il ne sait même pas en réalité le contenu même de ce qui se passe. Des PV sont dans la nature, on parle de 32. Des corps et des vies humaines ont disparu. Je sais pas combien. Des individus, près de 582 personnes sont en prison. On ne sait pas pourquoi. La justice ne se prononce pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes forts. Il n'y a pas des institutions fortes. Pour ceux qui ont fait la terminale, il y a un ouvrage qu'on appelle le Léviathan. C'est où il y a chaque individu qui prend un peu de son pouvoir et part donner un kunkuma, comme on dit au village. Chacun prend un peu de son pouvoir et part donner un kunkuma, comme on dit au village. C'est pour ça que même Paul, en 82, quand il a le pouvoir, il s'est arrangé à faire des voyages pour aller dans l'ensemble du territoire camerounais, pour parler avec les représentants culturels du Cameroun, de sorte que ceux-ci lui accordent sa bénédiction, leur bénédiction. Et c'est comme ça qu'on lui a donné du respect, de la crédibilité et du pouvoir, de sorte qu'il soit donc connu comme étant le chef suprême. Il est devenu un homme fort. Il n'est pas devenu une institution. Parce que s'il était une institution, il y aurait Paul Biya, il y aurait la présidence de la République. Je ne sais pas si c'est compliqué pour vous de comprendre ça. Il n'y aurait pas ce que vous appelez l'homme lion, il y aurait Paul Biya et la présidence de la République. Il n'y aurait pas John Goûté, il y aurait le premier ministre et le premier ministère. Il n'y aurait pas d'Assemblée nationale avec un sempiternel représentant. Il y aurait la chambre haute et la chambre basse qui permettraient de trouver des lois qui vont permettre d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Dites-vous, l'Assemblée nationale, vous pensez à Kavaïeké Djibril. Vous êtes obligé. Si je vous dis Sénat, vous pensez à Niad Difendi. Vous êtes obligé. Il faut des institutions fortes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis attaqué au CNC, parce que c'est une institution. Mais elle est diluée sous un décret d'une personne, pas d'une institution. C'est pour ça que la plupart des décrets que vous avez, des mots que vous avez, c'est toujours signé en bas. Le président a dit que. Le président a dit que. Le président a demandé qu'un. Le président a fait qu'un. C'est ça. La déconstruction institutionnelle. Voilà le problème camerounais. Chers amis, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour cet entretien. Je vous dis merci de m'avoir accordé votre temps. S'il y en a parmi vous qui ont besoin de s'exprimer, je vais lire quelques questions et on se sépare. Vous pouvez aussi appeler hein, par les moyens que vous connaissez. Le numéro de la chaîne, vous connaissez, c'est affiché normalement sur la plateforme Facebook. Vous pouvez aussi juste cliquer sur le lien qui est là et vous apparaîtrez directement dans le direct pour contribuer dans cet entretien. L'entretien, pour ceux qui viennent d'arriver, c'était axé autour de la situation communicationnelle au Cameroun avec Equinox CIA TV. Le résumé qui peut être fait, c'est que, en général, au Cameroun, beaucoup de personnes sont calées derrière le fait que c'est un conflit entre Equinox et CIA TV. Pourtant, ce n'est pas vrai. Le vrai problème, c'est le manquement. Vous savez, à l'école, on faisait parfois. En tant que philosophie, qu'on parlait parfois de le problème, la problématique, vous voyez, et l'annonce du plan, c'était très important. Ça permettait de voir le problème plus seulement sur un seul aspect, mais de voir déjà quelle est l'hypothèse qu'on peut apporter, quelle est l'anti-hypothèse, ou bien quel est le contexte positif, ou bien ce qu'on a, vous appelez ça quoi, la synthèse, l'antithèse, la synthèse qu'on peut faire d'un problème. Vous avez donc la thèse, l'antithèse, et après vous avez une synthèse. Donc, de façon synthétique, je dis, moi, mon hypothèse, c'est que le CNC, qui a été imposé aux médias au Cameroun, ne respecte pas son travail et ne fait rien. Mais par contre, à contrario, gagne de l'argent sur lequel il s'assoit
ne fait pas son travail et laisse faire, laisse manipuler la population, laisse désinformer la population, laisse imbéciliser la population, et ce qui est totalement inacceptable. D'autre part, même si le CNC n'assume pas ses fonctions, le seul et garant d'un État, ce n'est pas ses institutions, c'est le peuple d'abord qui est la toute première institution, parce que sans peuple, il n'y a pas d'État. Sans peuple, il n'y a pas de constitution. Sans peuple, il n'y a pas de CNC. Donc le peuple est la ressource fondamentale pour que tout soit fait. Alors j'appelais donc le peuple ici à prendre conscience de ce que cette institution ne fonctionne pas comme il fallait, parce qu'elle a des personnes à l'intérieur qui sont attachées à d'autres personnes. Elle n'a pas un rapport institutionnel avec les autres institutions de l'État, ce qui cause problème. C'est pour ça que ni Equinoxe ni la SADC ne respectent l'autorité de cette institution, parce que c'est un problème d'homme. Les problèmes d'homme se règlent comme au marché. Voilà ce qui se passe. Maintenant, sur le plan de la synthèse, je dirais, c'est à nous, Camerounais, intellectuels, membres de la société civile, n'importe où, de toujours rappeler ça aux Camerounais, et en tenant compte du fait que demain, nous serons à des responsabilités aussi importantes, et l'essentiel pour nous est de savoir l'importance de l'institutionnalisation de notre culture, quelque part, parce que les actions que nous menons sont importantes, et nous avons beaucoup de jeunes, ce qui veut dire que si nous avons des jeunes avec des cerveaux comme ceux que je vois au Cameroun, les Paul Biya seront nombreux dans la génération à venir. Voilà. Je vais voir s'il y a des questions. Ah, voilà, il n'y a pas de questions, je vote. Je vois, je vois. Normalement, pas. Oui, ça j'ai lu, ça j'ai lu, ça j'ai lu. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Hein. Voilà, donc j'espère que vous avez le temps de lire. Je dis encore à tous ceux qui sont connectés, hein, vous savez comment ça se passe. J'ai une plateforme, hein, à travers laquelle je soutiens les actions au Cameroun depuis un certain temps. Pour ceux qui sont habitués de la chaîne, vous savez comment ça se passe. Je dis encore merci à... Je dis encore merci à tous ceux-là qui soutiennent la page, qui savent comment ça fonctionne. Donc, vous y allez, vous y mettez 1 euro, 2 euros, comme vous voulez. Ça permet de sécuriser le métier, le corps du journalisme au Cameroun. Nous soutenons les journalistes au Cameroun en leur envoyant parfois de l'argent par mois. Ça permet d'indépendantiser le métier au Cameroun. Ça permet aux journalistes de vivre vraiment de leur travail. Ça permet aussi que vous ayez de bons contenus, parce que ces contenus sont le résultat de certains travaux. Ça demande de lire, ça demande de se renseigner, ça demande de s'édifier. Et voilà, donc ça demande quand même une certaine préparation. C'est pour ça que nous prenons parfois un peu de soutien en tant que média, parce que notre média est officiellement reconnu et on a des personnes qui travaillent dans ce sens-là. Donc je vais finir par saluer la communauté journalistique de la diaspora. Je salue mes confrères camerounais de la diaspora de Paris, la diaspora de Belgique, la diaspora suisse, la diaspora italienne, avec laquelle j'ai parlé il y a pas longtemps. Je souhaite ici un salut particulier aux membres aux membres du MRC dans le département de la communication. Je sais que ce sont les moments les compliqués de votre existence avec le professeur Maurice Kamto, président national, qui est il est quasiment en résidence surveillée. Et à combien, je sais comment vous vivez des moments difficiles au Cameroun, mais je sais que le Cameroun a quelque chose de particulier, c'est qu'en général, il arrive toujours à s'en sortir. Et en ce qui concerne le parti, vous avez démontré un certain nombre de choses déjà en mettant en avant l'aspect proche du pouvoir. Nous avons quelqu'un qui vient de nous arriver là. Je vois de mon écran. Je ne sais pas si la personne est encore là. Ou c'était un test. C'était un test juste. Mon frère, tu as peur d'apparaître. Tu peux apparaître. Tu appuies sur le microphone pour ne pas être vu. Voici l'ouvrage dont je vais parler cette semaine. C'est Cinquantenaire de la honte. Et je vous dis, c'est un ouvrage vraiment succulent. C'est un ouvrage succulent que je propose ici à tous les amoureux de lecture. Je dis, je le lis, je le relis et je le relis. À chaque fois, je le redécouvre. Lisez cet ouvrage. Vous allez vraiment aimer. Je vais sortir donc en lisant une dernière partie, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut se connecter là. Alors, certes, le devoir de mémoire nous interpelle, mais que faut-il commémorer en 50 ans? Le livre est sorti à l'époque du cinquantenaire. Vous savez, cinquantenaire de l'indépendance au Cameroun, 50 ans d'indépendance dans un contexte particulièrement particulier en Afrique. Donc c'est à ce moment-là que cet ouvrage naît, Les Cinquantenaires de la honte. C'est que, certes, le devoir de la mémoire nous interpelle, mais que faut-il donc commémorer en 50 ans? Se pose-t-il la question. Les affres d'une corruption extrême sans appel, ou les lois votées et non appliquées en 25 ans, on est encore à 25 ans d'existence du régime que nous connaissons aujourd'hui, le chevauchement des constitutions poubelles,
parce que les conditions, il y en a, hein, comme les projets dans les placards, où la ruse et le banditisme politique rampant. Il y a tellement de questions. L'extraction des richesses et leur gestion parallèle ou des prévisions budgétaires sans état d'âme. On prévoit tout, mais en fait, il n'y a pas grand-chose pour le peuple. La diffusion à outrance des slogans vaseux et creux dans un contexte de crise interminable, c'est clair. Le chômage accrue des jeunes diplômés malheureux dans un environnement d'adultes incapables. Tout à fait, ça résume ce que je viens de vous dire. Vous avez des jeunes qui se battent, des jeunes, vous voyez comment des jeunes sont maltraités, on les tue dans les rues parce qu'on dit qu'ils ont volé, on les brûle avec des pneus de voiture parce qu'on estime qu'ils sont des voleurs, ils sont des récidivistes. Mais ceux-là qui vont à l'école sont totalement humiliés par le système. Humiliés par le système. Donc, vous avez des adultes incapables, irrespectables, irrespectueux vis-à-vis d'eux-mêmes. Je ne vais pas dire que c'est de la sénilité, mais je dis que c'est juste tout bonnement incroyable ce qui se passe. Le commerce chimérique des projets ambitieux. Oui, à Douala, on aura par exemple le tramway qui va passer. On a un projet de construction de toute la ville de Yaoundé en plan de damier depuis 1982 qui traîne encore à vie. Bon, on a quand même projeté jusqu'en 2035, à l'horizon 2035. Des projets ne manquent pas. Le commerce chimérique des projets ambitieux sous la houlette d'hommes jugés irremplaçables, c'est clair. Vous avez le Sénat, vous avez l'Assemblée nationale, la chambre haute, la chambre basse de l'Assemblée nationale. Ils sont tous irremplaçables parce que même de d'autres côtés, face du maire, de la vie, ils sont toujours là, jugés irremplaçables. Le président, l'exécutif, le judiciaire, le législatif, invisible, mais irremplaçable, jugé. Cet ouvrage est vraiment intéressant. Alors, vous avez, à cela s'ajoutent des surendettements pompeux. Je vous dis que le Cameroun, qui était l'un des espoirs africains en termes de croissance économique aujourd'hui, est en train de descendre en bas. J'ai dit qu'il est en train de descendre en bas. Quel pléonasme, mais il dit que c'est une cacophonie, c'est une insulte vis-à-vis des grands penseurs économiques camerounais que nous connaissons. Je passe ici ma salutation à celui qui est devenu le nouvel homme fort de l'argent. Hein. Voilà. Donc, qui confine dans le néant un devenir déjà misable, déjà minable. Voilà l'ouvrage. Allez le lire. Il est sur Amazon. Vous écrivez les 50 nerfs de la honte. Vous verrez les 50 nerfs de la honte. Dedans, 50 nerfs, dont chaque chapitre est un nerf. Est un nerf. Allez lire. J'ai dit, je vais m'arranger à inviter sur ce plateau l'auteur de cet ouvrage. Je vais m'arranger à l'inviter sur ce plateau. J'ai communiqué déjà avec lui et il a dit il s'est rendu disponible. Donc, nous allons créer la date. Il s'exprimera là-dessus, dira à être. Il vous donnera à savoir, il vous donnera à comprendre ce qui se passe dans notre Cameroun, pays pris en otage. Chers amis, je vois qu'il y a notre très cher ami Ninja, lancé en direct. Comme moi, je suis déjà à la fin, je vais vous prier de vous y rendre. N'oubliez pas surtout de rester camerounais, de rester digne et surtout de contribuer comme vous pouvez à l'établissement d'un Cameroun nouveau et surtout respectueux. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien.